On a pollué où? Espèce de pauvre con. Alors c'est intéressant parce que je viens de poster la photo de l'enfarinage de Usul. Si vous regardez bien, quand il se fait verser la farine dessus, il rentre un petit peu la tête dans les épaules, il se courbe un tout petit peu et il subit en silence en fait. Et ça, c'est très révélateur de la psychologie du personnage et de l'anthropologie du personnage, en fait. La chimie, ce que j'aime appeler la structure chimique du larron, quoi. Moi, si j'avais été enfariné, et ça peut arriver un jour, hein, personne n'est à l'abri, mais je sais qu'il y a par réflexe, il y a une volonté d'empoigner le mec ou de lui balancer une patate. Même si elle passe à côté, même si je dis pas que je suis Superman, mais je me connais, je sais. Le réflexe, de suite mon cerveau va comprendre qu'il y a une agression et de suite je vais essayer de me défendre. Même si la patate part à côté, qu'elle part mal, que tu tapes dans ta chaise, tu te fais mal, ce qu'il faut c'est réagir. Là, le niveau de soumission est terrible. En fait, la farine arrive et le mec, son réflexe est. Il fait un truc de tortue, il fait un truc de Bernard Lhermitte en fait. Il rentre sa tête dans son corps, mais putain! Si vous voulez, l'évolution a appris aux hommes trois trucs. Combattre, fuir ou être tétanisé. Voilà, c'est les trois types de. C'est les trois types de comportements quand il y a un truc qui se passe. Et là, là, l'option choisie, ça a été de se tétaniser, quoi. Mais tétaniser, si tu veux, c'est. Il y a tétat dedans. Il y a un peu la racine de tétard, tu vois. Il y a un côté tétard, en fait. C'est-à-dire qu'il a rentré sa tête dans son corps comme un putain de Transformer, en espérant qu'il allait prendre une mite après la. Parce que c'est aussi bien tu prends une gifle, quoi, après la. Ouais, et donc en fait, ce qui est terrible, c'est qu'on sent, quand on le regarde, enfin, quand on le regarde réagir à la farine, on sent que s'il avait pris une gifle derrière, il aurait rentré la tête un petit peu plus. Il aurait été encore un petit peu plus tétard, encore un petit peu plus tortue, quoi. C'est dramatique en fait, c'est dramatique. Enfin, ça dit tout de cette extrême gauche, pardon, urbaine, du tertiaire. C'est quand même globalement.